Certains disent qu'ils trouvent un grand soulagement à lire la Bible. Et je me pose la question de savoir à quel genre de satisfaction ça peut contribuer. Et si on n'est pas dans le registre de ce qu'on appelle les passions tristes, je crois que c'est une formule qu'aime bien utiliser Michel Onfray, si je me trompe. Parce qu'en fait, moi, je pourrais psychanalyser un peu ce plaisir de la lecture de la Bible. Et moi, je propose une clé de lecture. Je vous soumets. Savoir le plaisir de voir celui qui est en haut tomber, être déchu, déchoir. C'est pas une passion triste, ça? Celui qui est envieux, qui souhaite du mal à l'autre parce qu'il le domine, parce qu'il a des droits sur lui, parce qu'il a des privilèges, et voir que l'histoire raconte à quel point, à un moment donné, il va tomber. La roche tarpéienne est proche du Capitole. Et moi, je considère que la Bible telle qu'elle nous est parvenue, et non pas telle qu'elle a été rédigée, parce que sur ce point on a un débat, telle qu'elle a été trafiquée, entretient des passions tristes. Et que les gens se complaisent à voir que Ésaü est déchu de son droit d'aînesse, que Ismaël doit partir et laisser la place à son cadet, que Judas se discrédite et finalement est dominé par son frère cadet Joseph, que les Juifs sont déchus, soi-disant, de leurs privilèges, de leur alliance, parce que Jésus va les priver de cela, qu'il annonce que c'est la fin de leur alliance, qui est une lecture totalement biaisée de Jérémie. Donc finalement, je me dis que, je ne parle même pas d'Adam, la chute d'Adam, etc., ou même la chute de Caïn, a constamment... Alors, il faudrait interroger les gens, il faudrait les psychanalyser, et moi je dis que ce sont des passions tristes qui sont entretenues dans la lecture de la Bible, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. C'est-à-dire la satisfaction de voir celui qu'on enviait, celui qu'on jalousait, le voir tomber, le voir disparaître, le voir banni. Voilà ce que je pense. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, mais malheureusement, ce plaisir particulier, il est à mon avis assez malsain.